Ambre Dole, famille nombreuse, son mari hospitalisé et à plat, coup dur pour les Dole. Les parents de famille nombreuse, la vie en XXL traverse actuellement une période difficile. Non seulement la maman Ambre a contracté la COVID-19, mais son mari aussi. Alexandre a même été touché de plein fouet et se retrouve hospitalisé après une perte de poids inquiétante. Ces dernières semaines, les contaminations à la COVID-19 reprennent de plus belle. Les chiffres ont même explosé puisque la France a recensé plus de 200 000 cas positifs, selon le ministre de la Santé, François Braun, qui appelle à retrouver les bons réflexes. La famille Dole fait malheureusement partie des personnes concernées par ce rebond inquiétant de l'épidémie. En effet, le virus s'est invité chez eux et a touché les parents Ambre et Alexandre. Mardi 5 juillet 2022, la candidate de famille nombreuse, la vie en XXL a confié que la situation avait pris une tournure inquiétante concernant son mari. Alexandre a dû consulter à la suite d'une perte de poids conséquente. Mon chéri, il est fatigué. Il vomit beaucoup depuis 2 jours. Parenthèse ouvrante, point parenthèse fermante. Mais il est vraiment fatigué de chez fatigué. Je vais emmener Alex chez le médecin, NDLR, qui est incapable de conduire. Il est à plat, il est allongé toute la journée. Il a quand même perdu 5 kilos en 3 jours. Ça me semble énorme donc je lui ai dit, tu es sûr de toi? Il m'a dit que oui, qu'il était à 84 kilos vendredi et là, il est à 79. Donc je vais l'amener, a annoncé l'infirmière urgentiste. Au lendemain de leur consultation, son état ne s'est pas arrangé et Alexandre s'est rendu à l'hôpital. Ambre Dole a partagé une photo de lui allongé sur un brancard et vraisemblablement démuni de toute force. Voir notre diaporama, pour ne rien arranger, la maman de 5 enfants est elle-même porteuse de la COVID-19 et doit continuer de s'occuper des siens malgré des symptômes contraignants. Difficile de dormir. J'ai des douleurs aiguës dans les reins, 39.5 bien évidemment. Un petit paracétamol et c'est reparti, a-t-elle lâché toujours très active. Et de souligner la force des mamans en toutes circonstances, les mamans, quand on est malade, il faut gérer quand même la maison. Je suis à plat aussi. Reste désormais à espérer que les choses rentrent dans l'ordre et que la famille puisse reprendre un quotidien moins agité.